Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des choses ici. Mais pour l'instant, on s'en fout. Voilà, on a ça aussi. Ah, on peut voir des choses. Oh. Oh. Oh oui. C'est magnifique. C'est splendide. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que ça n'a absolument aucun intérêt. Même si là, il y a un truc qui dépasse chelou. J'ai pas vu ça, le truc qui dépasse. Ça dépend. Alors. Alors. Où t'as vu un truc qui dépasse? Tu regardais par là, il y avait un truc qui dépassait. Tu me mens. Tu me mens. Ah non, c'était peut-être juste ça. C'était peut-être. Ouais, je sais pas. Bon, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Je l'ai dit haut et fort, je n'ai absolument rien trouvé. Regardez ici, non, il n'y a rien. Là, pareil, on peut regarder. Donc j'imagine qu'il va falloir regarder des trucs quelque part. Alors là, il y a un 1. Un 1 qui est magnifique. Le plus beau des 1. Bien plus beau qu'Attila. Bonne nuit, Mousse Choco. Alors, ensuite, on a ici. C'est un peu chiant quand tu sais pas par où commencer, que tu es obligé de tout regarder. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un emplacement avec des branchements électriques. Très bien. Là, on peut pas y aller. Là, on peut pas y aller. Là, on peut pas y aller. Là, on peut y aller. Et il ne se passe. Ah, si, il se passe des choses. Ouh là là. Alors. Très bien. Il manque un truc à mettre ici. Ok. Alors là, on peut potentiellement. Je crois qu'on a remis l'électricité, non? Non, peut-être. Et ici. Non, on peut pas là. Bon, lui, là, on peut là. Ok. Salut Fred Wanger. Sorry, j'étais en JDR. J'espère que ça s'est bien passé. Alors, par ouf, par quoi faut commencer? Ça, c'est quoi ça? J'en sais rien. Ici, il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien du tout. Ici, donc on n'a pas de clé. Là, il y a un trou. Vas-y. Ni de trouver par où commencer, qu'on puisse faire les énigmes petit à petit. Ah, ici. On n'a pas fait ici. On peut pas ouvrir. Là, il y a un 2. Là, il y a un 1. Là, il y a un bouquin. Mais apparemment, on s'en fout. Ici, rien ne s'ouvre. Ok, ici. Ah, ah! Un tournevis. Expérience 2.07. Sujet bêta 4. Ratus ratus. Nécrose du sujet clairement arrêtée par injection prémortem de sérum numéro 5. Restauration temporaire des réflexes musculaires. Observez si stimulation électrique post-mortem d'amplitude 75 à 85 mA. On est chez le docteur Frankenstein. Attends, il y a encore un autre truc que j'ai pas pris là. Non, dedans, dedans. Il manque un morceau de la plaque. Ok. Donc on a un tournevis. Y a rien d'autre dedans? Ah, c'était le. D'accord. On a un tournevis. Ici, il y a une forme en étoile. Faudra s'en souvenir. Tout ça, on s'en fout. Alors, où est-ce qu'on a vu? Ça, on s'en fout aussi, ça. Ça, c'est spécial, ça. On pourrait tenter de dévisser la porte, mais. J'ai des doutes. Non, ouais, c'est pas ça. Un tournevis. C'est vrai que j'ai pas regardé ça ici. Là, il y a un truc qui dit vers le bas. Alors, pourquoi vers le bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Non, il n'y a rien en bas. Peut-être juste pour qu'on tire le truc. Ok. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, un tournevis. Un tournevis, est-ce que c'est genre un tournevis ici? Genre là. Pas du tout. Pas du tout les lapins. Les lapins, c'est gentil. Je vois pas de vis. Hein. Ah, si, peut-être pour ça, mais ça me paraît absolument pas.
Mais oui, j'ai bien vu que ça disait sous le tiroir, on est d'accord, mais moi je vois rien. Peut pas y aller sous le tiroir. Mais t'as pas regardé sous le tiroir, comment tu veux que je regarde sous le tiroir? Hein? Voilà, je regarde comment sous le tiroir? Moi je veux bien. Ça m'intéresse beaucoup de regarder sous le tiroir. Voilà, c'est marqué en dessous, d'accord. Et comment j'y vais? Comment j'y vais sous le tiroir? Ah. Ah, attends, j'ai peut-être la vue là. Non, mais il s'en fout. Il s'en fout de ma vie. Utiliser ça là-dessus, non? Moi aussi, elle m'intrigue cette flèche vers le bas. Mais je ne sais absolument pas comment voir sous le tiroir. Alors. Et là, apparemment, je devrais pouvoir bouger ça. Mais non, je peux pas bouger ça. Il manque quelque chose, je pense. Ça ne marche pas. Ah, la forme à faire. Ah oui, ça c'est pas bête ça. Ça c'est pas bête. Est-ce qu'on peut faire une flèche vers le bas? Non, on peut pas faire de flèche vers le bas. On peut faire une flèche vers le haut, mais c'est tout. Ce qui n'a absolument aucune importance. Ce qui me fait une belle jambe. Une très très jolie jambe. Il n'y a pas le mur à regarder. Non, mais attends, il y a trop de trucs à regarder. Non. Ici, il n'y a rien. Alors, le tournevis, qu'est-ce qu'on va en faire? Un emplacement avec des branchements électriques, ok. Yop, Kevel Gaming Simulation. Simulation. Salut, Tank. Non, je serai pas à la Japan Expo. C'est d'où je viens. Là, on s'en fiche. Et là, peut-être que là, il y a des trucs à faire. Ou pas. Ok. Pourquoi j'ai de belles jambes? Ah oui, ça me fait de belles jambes. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc ici, il n'y a rien où on peut aller voir. Là, il y a toujours ce truc ici. Je sais rien. Un tournevis, mais j'ai pas vu de vis, quoi. Hein, tu me saoules avec ton tournevis. On s'en fout de ton tournevis. On peut mettre là? Je sais pas, moi, je sais pas quoi faire, ton tournevis. Ok. Je sais pas quoi faire de ton tournevis. Non, j'utilise pas un indice. Les indices, c'est pour les gens qui trouvent pas. Alors. T'as vu les vis? Genre ces vis-là? Non, mais si on doit faire chaque vis, on est foutu. Hein. Ça, on peut pas le monter. Non, ça, non. Ça, c'est trop petit, ça, pour que ce soit ça. Peut-être ça? Allez, vas-y, là, c'est des vis, ça. Et tu me donnes le truc qui est en dessous. Allez! Oh, t'es pas cool. T'es pas cool, Raoul. Et tu trouves... bien sûr que oui, là, c'est pour le spectacle. C'est pour le spectacle. Genre, ça, non, mais ça, tu veux pas ça? Ça, tu veux pas ça? Ou alors sur la porte. Non, tu veux pas non plus. Et donc là, il y a un 1. À quoi ça sert d'aimer? Ok. Le 2, là, il sert à quoi le 2? Le 2. Pourquoi 1, 2, 1? Par terre, il n'y a pas une genre de batterie. Non, mais j'ai pas vu de batterie. Ça là, ouais, je sais pas ce que c'est, tu peux pas cliquer dessus donc là je vois rien. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, je vois. Ah non, peut-être qu'ici je peux voir. Non, ça m'emmène là. Hein. Là, le coup de la flèche, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Oui, j'ai déjà fait The Room 1 et j'ai pas fait Unturned. Alors, est-ce qu'ici... Non, ça doit être ici la solution. Est-ce que vous voyez une vis? Ça, moi, ça, j'aurais bien les fesses. Non, on peut pas. Et donc ça, on est d'accord que ça, on peut rien y faire pour le moment. Parce que ça nous amène ici et on dirait que quelque chose peut rentrer ici. Mais tu veux pas de mon tournevis, c'est ça. Tu ne veux pas de mon tournevis, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Est-ce qu'on peut pas tout défoncer avec le tournevis? Est-ce qu'on est obligé? Vraiment, là, regarde, là tu fais levier avec le tournevis, tu défonces le cadenas. Moi je suis sûr ça passe. Je suis sûr ça passe. Là sur le côté, donc il y a un trou ici, mais sinon il n'y a rien. Ouais, peut-être le 1. Ici, on dirait qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi. Mais on peut absolument rien faire hein, sur les chiffres. Le mur derrière est un tri. Il y a déjà assez de choses comme ça. Et ça, on peut rien faire. Là, non. Là, il faut un truc en forme d'étoile. Ah! On regarde dans les loupes. Ouais. Ok, que veux-tu que je vois dans la loupe? Là, il n'y a rien du tout. Là. Non, on est d'accord que ça, c'est louche, là. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est hyper louche? Parce que ça, je le vois pas normalement. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va regarder l'autre loupe. Ah, ça j'avais pas vu. Non, il n'y a rien. Et les trucs là derrière, il n'y a rien non plus. On va refaire un coup de vision comme ça. Le truc louche, c'est le cadenas pour toi. Ah, c'est le cadenas! Ah! C'est le cadenas! Déception. Déception. Va dévisser la lumière? Non. Là, non, il n'y a rien à dévisser. Alors. Donc oui, il y a le 1 qui est là. Ça nous fait vraiment une belle jambe. Parce que, voilà. Tout est pilé. Elle est magnifique. La petite planète sur le bureau. C'est vrai que je l'ai pas trop regardé ça. Ah, je l'ai pas regardé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, on dirait un tournevis. Oh non, ça c'est pour... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais il y a un truc bizarre dedans qui bouge. Je sais pas si j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Ok. Tout va bien. Une boîte en bois. Une boîte que nous allons ouvrir. 1, 2, 1. Ce qui ne fait rien. Alors, SS. Oui. Tu peux cliquer sur le mur à côté de la fenêtre, il y a quelque chose dessus. Tu veux voir ce qu'il y a à côté du mur de la, à côté de la fenêtre? Ici? Ça, non, tu peux pas y aller, ça. J'ai essayé. Non, non, ça te fait aller ici. Ça ne marche pas. Ce n'est point un vrai endroit. Ou là, là non plus. Non, tu peux pas cliquer sur les trucs à côté de la fenêtre. Et en effet, donc on a des symboles. S ah oui, mais non, mais j'ai pas le deuxième truc. C'est quoi après? S barré et IT. Ça. Oui, non, mais il me manque deuxième et je sais pas quoi. Ah, mais c'est des chiffres! 1, 7, 3. 1, 7, 3. C'est bon, on est bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une batterie. Nous avons donc un truc pour une batterie que je peux par exemple mettre pas du tout.
ici. Ok. Oh là là! Oh là là, il y a l'électricité! Elle est chargée. Elle est chargée. Une batterie chargée. C'est bon. On est parti. Non, tu peux pas mettre une batterie là-dedans. Donc la batterie, c'est là-bas. C'est bon. Maintenant, on connaît la pièce par cœur. Ça va aller. Très bien. Ok. Alors, va falloir... Ok. Hop. Donc. Parfait. C'est l'Ézéchiel. Ah. Un petit symbole en forme d'étoile que nous avons vu au-dessus. Au-dessus. Tiens, ça, c'est quelque chose où on peut aller, ça? Non, ça le fera tout seul, je pense, à un autre moment, je ne sais pas. Qu'on a vu au-dessus du tiroir. Bon, c'est bon, maintenant on connaît la pièce par cœur, quoi. Deux. Il y a des choses que j'avais absolument pas vues ici, quoi. Ah, qui est. Ça y est, peut-être pas. Ah, mince. Oh non. Ah, attends, si j'ai compris. Qu'est-ce que ça dit ça? Un rouleau d'images. Cuckton Sanatorium. Cher professeur de Montfaucon, je ne doute point de votre altruisme. Cependant, l'état de votre sœur n'est pas amélioré par son confinement continu sur votre propriété. Je vous supplie de renvoyer Madame Lucie au sanatorium aussitôt que possible. Sincèrement vôtre, Docteur Beckett. Ok, donc ça, est-ce que je peux refermer? Ça, faire ça, il repasse en 1, et donc ouvrir, peut-être de l'autre côté, oui c'est ça, voilà, ah, expérience 5-0-1. Sujet EH, appendice supérieur droit coupé au ligament gléno-huméral. Nécro-sujet arrêté via injection pré-mortem de sérum numéro 5 et injection post-mortem de sérum numéro 4. Réflexe musculaire parfait observé, si stimulation électrique de 77,75 mA. Parfait. Et donc on a un truc ici qui nous donne une manivelle. Mais elle est grande, c'est une grande manivelle. Là on ne peut absolument rien faire, même en regardant. Il ne se passe rien. Ici, en regardant, il ne se passe rien non plus. Et ici... Alors, on dirait qu'il manque des spécimens. Oui, ça, on est d'accord. Ok, donc on a une grande manivelle. Est-ce que une grande manivelle, ça vous parle? Est-ce que genre là, on pourrait utiliser une grande manivelle, genre ici? Puis mettre ça là. Voilà. Qui a ouvert un compartiment, un emplacement pour des branchements électriques. Ok, très bien. Mais la manivelle, t'es sûr que tu veux pas la mettre là? Ça me paraissait bien la manivelle ici. Non? D'accord, bon, d'accord. D'accord, d'accord. Du coup, faudrait reprendre la batterie là-bas. Non. Ah, non, on peut pas. On peut pas. On peut pas? Donc faut une autre batterie. Alors, peut-être que la manivelle a eu... Ah mais non, mais si, elle sera là la manivelle. Voyons. Voyons. En plus, il y a des choses là. Non, il n'y a rien. Alors, la manivelle va aller ici. Voilà. Que souhaites-tu faire? Ne se passe rien. Ah si, peut-être si je vais là et que je fais quelque chose avec ça. Oh oh! Oh oh oh!
C'est un peu le Père Noël en fait. Voilà! Ce qui nous fait gagner. Magnifique. Pièce éclairée de mille feux. Donc ici, regardez là. Qu'allons-nous voir? Alors que souhaites-tu que je fasse? Là, ici. Bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais oui, il y a une lentille sur le scarabée. Ce qui me permet d'ouvrir la porte. De prendre une autre batterie que nous allons charger. Un scarabée. Un grand scarabée rhinocéros. Ok, on va voir ce qu'il y a en bas. Ah, nouvelle expérience. Expérience 13. Sujet L. Viscère cardiaque. Nécrose arrêtée complètement. Opération manuelle à 77,75 milliampères. Facsimilé de vie restaurée seulement à proximité de zéro brut. Aucune autre piste, aucune marche arrière. Chère Lucie, pardonnez-moi, je n'y suis pas arrivé à temps. Ah là, professeur. Professeur Frankenbilly. Alors, c'est quoi ça? Un insecte. Un insecte tout mignon. Non. Ah, il va là. Mais il en manque encore. Est-ce que j'aurais pas loupé des insectes autre part, hein? Parce que je cherchais pas spécialement des insectes, hein. Ok. Et du coup? Du coup, il faut aller charger ça ici. Voilà, très bien. Baisser ici. Alors, il faut remettre de l'électricité. Parfait. Baisser ici. Ah mince! On a tout cassé! On a tout cassé! Donc il faut récupérer le tournevis. On a laissé. Ah non, on l'a toujours. On l'a toujours. Ok. On dévisse. Un fusible grillé, je vais l'enlever. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver un autre fusible. Ce qui fait chier. Où est-ce que je vais trouver un fusible, moi? Donc là, de toute façon, on peut rien faire tant qu'on n'a pas trouvé ce truc-là. Là. C'est bloqué. On ne peut plus rien faire. Tu me montres ici, rien. Ok, alors peut non, non, non. Ah. Faut trouver un fusible. Un petit fusible. Crée une passion tournevis. Oui, mais je l'ai plus le tournevis, il a disparu. C'est la fin du tournevis. Et du coup, est-ce que ça a fait quelque... Non, ça a rien fait. Ah, c'est vrai que j'utilise pas assez la lentille, ça se trouve, la solution se trouve sur la lentille. Non, là on a déjà tout fait. Salut Singleton. Donc là, de toute façon, tant qu'on n'a pas... On peut plus bouger, donc non, c'est normal. Ok, alors un fusible. Derrière toi, un singe à trois têtes. Non, il n'est que maudit. Alors. Coucou Crane et les glouglous, je viens justement de le finir. Tu y es presque, Crane. Ah! Moi, j'ai pas envie de le finir vite. Il faut que je trouve un fusible. Alors attends, est-ce que je peux rebouger le laser? Mais je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est terminé ça. Il veut même plus que j'aille voir ici. Ah si. Non, je peux plus bouger, d'accord. Salut Keps. Salut Art Symbiote. Ah oui, non, moi j'adore aussi ce genre de jeu. Ta-ta-ta.
Mais c'est vrai qu'on peut retourner voir le tiroir numéro 2, mais de mémoire, il n'y avait rien d'autre. Alors. Dans le tiroir numéro 2, je crois qu'il n'y a rien. Peut-être que comme par miracle, il va y avoir un fusible qui va apparaître. Donc il n'y a rien de l'autre côté, il y a juste une lettre. Sachant que le tiroir numéro 1, il y avait potentiellement un truc à faire. Enfin, un truc qui ressemble à un fusible là-dedans. Hein. On est d'accord. En haut ici. Non, donc ici, non. Alors. Non, je connais pas Art Symbiote. Donc ici, je vois rien de spécial à refaire. Là, non. Aha! Il fallait que le fusible y grille. Donc là, faudra bien évidemment que je remette un fusible. Oui, j'ai compris. J'ai compris que je dois changer le fusible. Mais où trouver un fusible? Ah. Alors, quelqu'un vient de dire que je pouvais ouvrir un bocal. Ah non, mais voilà. Un morceau de plaque cassée. Bon, ça, on sait où ça va. Ah oui, non, ça, il y a des choses, tu le vois pas. Tu pleures. Hein. Sous le présentoir, un livre sur le meuble avec un laser. Il n'y a pas un truc. Tu peux pas bouger les lasers, là. Tu peux pas bouger les lasers. Cherche des insectes. Alors déjà j'ai trouvé une plaque que je vais pouvoir mettre là. Ah bah voilà! Un fusible, il semble intact. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est compliqué hein, de trouver un fusible. Il peut pas le ranger dans. Il peut pas le mettre dans un tiroir. Juste un fusible. Tu vois, tu ouvres le tiroir, oh, un fusible, bah, c'est bon, ça tombe bien, dis donc. Ok. Ok, la batterie est chargée. Une batterie chargée. Hop, hop, hop. Alors, que se passe-t-il? Oh oh! Un Frankenbilly arrive à animer une main. Et donc? Très très bien. Est-ce que ma vie a changé du coup? Apparemment non. Ça a rien fait du tout. Tu te fous de moi? J'aimerais bien pouvoir. Bon, je peux pas bouger les lasers. Hein. Ça. On peut pas le bouger. Non. Ça non plus. Non, on n'a pas de clé pour ouvrir ça. Il y a un scarabée dedans. Donc Rain, c'est plus rigolo de galérer pendant 10 minutes à trouver les bons éléments pour ouvrir le compartiment et ranger le fil, bien évidemment. Là, j'ai cherché un moment, Crane. D'accord. Alors. Le truc, c'est qu'il s'est rien pas. Ah, attendez, on va re-regarder parce qu'il y a peut-être un indice dans la vidéo. Il y a peut-être un indice dans la vidéo, tout simplement. Alors, regardez. Voyez si vous trouvez quelque chose. Non. À quoi ça a servi de faire ça? Mis à part pour le lore. Non. Donc là, je peux rien faire. Là, on peut pas bouger. Il manque trois scarabées quand même, hein. Ah.
Non, mais l'oculaire avant de regarder, je pense pas que ça marche parce qu'il mettrait l'option, ce serait un peu salaud de faire ça quoi. Je peux tester si tu veux, mais. Ah non, t'as raison. Oh, oh c'est un peu salaud de pas mettre l'option et que ce soit. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Un chiffre peut-être. Ou un scarabée. Et donc tac 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 au tchac. Donc j'imagine. Déjà on va aller mettre le carabée. Le carabée. Un carabée. Ok. Ah oh, oui non ça c'est salaud. C'est salaud. C'est vilain. Et du coup qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le signe, allez voir sur VV au barré. Le seul endroit où on voit des trucs comme ça, c'est ici. Donc VV, c'est ça, je pense. Et au barré, ici. Donc 60, 60, mais à mon avis. Il faut le deuxième truc et là va falloir faire V au barré. Des triangles et des chiffres, ça donne. Et des ronds, ça donne un chiffre pour Crane. Mais oui! En faisant ici. Ok. Donc ça nous a bien bien avancé, dis donc. Bien bien avancé. Bah, du coup on va le faire un peu pour tout parce que si c'est l'arnaque. Non mais non. Pas du tout faire ça. Bah, ça change rien. À la recherche des scarabées manquants. On va regarder là aussi. Bonsoir Crane, pourquoi ces remerciements Tipeee? Je viens d'arriver parce qu'on est en début de mois et c'est normal que je remercie les gens. Qui me soutiennent via Tipeee. Là, il n'y a rien du tout. 60 comme les 60 mousquetaires. Ou comme les 60 doigts de la main. On va rester avec l'oculaire. On va voir si on trouve quelque chose. Bah, je vois rien du tout. Là non plus. Là non plus. Ah, attendez. On peut le re reprendre ça? Il y a un signe sous. Est-ce qu'on peut le reprendre ça? Non, on peut pas le reprendre. Bah attends, mince. C'est moi où il y avait un truc avec le même. Oui. Ah mais non, c'est ce qui me l'a filé peut-être. Non, non, c'est ce qui me l'a filé, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc il y a toujours cette flèche vers le bas, je trouve extrêmement frustrante parce que on voit pas, on voit rien du tout. Une flèche vers le bas, le 1 vers le bas. Je ne comprends rien. Là, c'est moi où il y a des traces de doigts. Là, il n'y a rien du tout. Et nous avons Plaf Plaf qui se réabonne pour la sixième, cinquième fois, pardon, 5 mois de soutien. Merci Plaf, des bisous et bim le reçoit. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, le Alibaba et les 60 voleurs, bien sûr, le train sifflera 60 fois. 60 mariages, un enterrement, exactement. Sous le tiroir, mais j'arrive pas à voir. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Donc là, il y a une flèche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette flèche? Tintin et les 60 boules de cristal. Les 60 commandements. Les 60 salopards. Soixante nuances de gris, exactement. Non, je comprends vraiment pas ce que c'est que cette flèche. Non, ça s'en fout, ça. Salut Crane, salut Antares!
La 60e compagnie, exactement. Blanche-Neige et les 60 nains. Les 60 fantastiques. Peut-être que s'ils sont 60, ça deviendra vraiment fantastique. 60 fois 60 Eyes. 60 nuances de Crane, bien évidemment. Tirer la poignée. Ouais, je sais pas. Ok. On va refaire. Hein. C'est quoi? Alors, attends, comment je peux faire? Soixante. Voilà, V6 Sparta. Non, je ne comprends pas cette flèche. Est-ce que quelqu'un comprend cette flèche? Je continue de cliquer partout frénétiquement. Oui. 60 échecs critiques, oui, c'est pas mal ça. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la clé, par exemple, pour ouvrir le cadenas. Ça, il nous manque. Il nous manque un rayon qui devrait aller ici. Qui devrait partir d'où, du coup? Tu penses quoi d'un jour porter une robe pour l'avenir de ta chaîne? C'est quoi cette question, Calyx? Je ne comprends pas. On peut pas le bouger, non. Ça je l'ai déjà fait. Derrière, c'est d'accord. Il nous manque deux scarabées. Un, je sais où il est. Le seigneur des mais non, des 60 anneaux, ça s'appelle le seigneur des anneaux. Oh, ça va pas être sous le tiroir numéro 2. Toujours la flèche sous le tiroir. Non, mais comme disait quelqu'un, c'est juste qu'il faut le tirer. Faut pas voir plus loin. Ah! Bon, on a trouvé un autre. Oh là là! Oh là 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 là! Là là, Sierran! Juste un indice, je cherche un insecte dans la pièce, oui. Oh, c'était moche. Et donc, on avait dit ici. Voilà, on a la clé et d'un seul coup. Tu t'es déjà lancé dans un jeu de manière compétitive. Qu'est-ce que j'ai pu faire en compétitif? Bah sur des MMO pour des first down, oui. À quoi tu ressembles? Tu ressembles à une flèche vers le haut avec deux machins. Voilà. Genre. Ah, voilà. Les 60 émeraudes de chaos. Et donc, pourquoi Calyx a dit ça? Je ne saurai jamais. Je ne saurai jamais. Voilà. On va... C'est ça? Pour de vrai? Mais pourquoi? Pourquoi il sort ça de comme ça? Ok, alors là, on a. Je peux pas le prendre ça tout bêtement et le déplacer? Non. Donc il faut que je trouve un moyen d'envoyer ça ici. Ah, ce qui me fait encore une fois une belle jambe. Alors, par contre, on va faire ça et on va regarder comme ça. Est-ce qu'on va y voir quelque chose de particulier? Ou absolument pas. Donc il faut arriver. Il faut arriver à mettre. Ça ici, c'est ça le plan? Ça doit être ça le plan, je pense. Donc peut-être que maintenant on a le droit de bouger celui-là. Ce serait l'idéal. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Alors. Où sommes-nous? Voilà. Et là, que va-t-il se passer? Attention! Attention!
Donc j'ai trouvé une lentille, on dirait qu'elle va sur mon oculaire. Mais avant on va lire. Attends, je voulais lire. Ouh, lentille verte. Level up de la lentille. Mon sort semble toujours reposer sur les épaules d'un grand homme. Mes travaux sont ceux d'un enfant à côté de ceux de mon faucon. Mais lui n'a jamais résolu le secret final des portes. Il a toujours eu la clé avec lui sans le savoir. L'âme est la racine de zéro. Tout se résume à un simple échange. Le mien pour le sien et le sien pour le vôtre. Le cœur est l'assise de l'âme. Faites bon voyage et ne regardez pas en arrière. Quoi que vous trouviez, ne regardez jamais en arrière. Bah, je me retourne pas. Hein. Je me retourne pas. Je me retourne pas. Ok. Ne pas se retourner. Ok, bon, là, on a un truc fabuleux. Alors, c'est quoi le plan? Alors, 1, 2, 3, c'est ça que tu veux dire? Un devant le petit bateau, le cerf-volant et la roue. Non, 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 on ne se retourne pas. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Je veux pas me retourner. Te retourne pas. Alors, ici. Alors, apparemment, il y en a un là. Là, j'en vois pas. Oui. Regarde pas la porte. Tu regardes pas la porte. Bah, tout ce que je vois, c'est au moins il prend celui-là ici. Donc ça fait une possibilité. Mais ah, non, pas la porte. Le plafond peut-être? Non. Là. Est-ce qu'on doit y voir quelque chose? Celui du haut? Ça veut peut-être dire celui du haut. Donc ça veut dire celui du haut, celui d'à côté. Et... là je vois rien. Là. Bah celui-là. Celui-là. Peut-être ces trois-là, du coup. Ah mince, il y a un chiffre, par contre. J'avais pas vu. Alors, le 3, c'est celui-là. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le combien? Ça, c'est le 1. Alors, le 1, il est ici. Et le 3, il est là. 1, 3. Okay, je vois pas où est le 2, par contre. Bon, après, c'est pas dur à trouver. Il nous reste que celui-là, mais... alors... 3 ici et 1 juste au-dessus. 3 ici, 1 juste au-dessus. Ok. Et donc. Un cœur. Ok. D'accord. Une porte. Ah. Avec un nouveau défi. Peut-être. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est pas très très compliqué. Oh mais non, c'est pas fini. Bon non. Ah là là. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, 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 ah. Des tentacules. Serait-ce un jeu différent de ce à quoi je m'attendais? Jeu terminé. Félicitations, vous avez terminé The Room 2.
Là où beaucoup ont flanché, vous avez réussi à découvrir les nombreux mystères de ce lieu unique. Vous avez fui du laboratoire, échappé à la demeure maudite où tout a commencé. Après des recherches poussées, j'en conclus que l'échantillon zéro sous ma garde ne peut pas être unique. Il est raisonnable de penser qu'il doit y avoir de nombreux échantillons coordonnés qui exercent un contrôle sur ces événements étranges. Professeur de Montfaucon, 19 novembre 1903. Alors, merci d'avoir acheté The Room 2. Nous espérons qu'il vous plaît. Étant un petit développeur de jeux indépendants, nous croyons fermement au bouche à oreille et à la bonne volonté de tous ceux qui achètent nos jeux. Alors, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez pensé de The Room 2 en le recommandant ou en redirigeant une critique sur notre page Steam. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de votre soutien. Et sachez qu'en achetant et en recommandant The Room 2, c'est tous les développeurs de jeux indépendants que vous aidez, Fireproof Games. Pourquoi c'est tous les développeurs de jeux? Oui, on aide le studio, ok. Mais de là à dire que c'est tous les développeurs de jeux indépendants que vous aidez. En tout cas, GG à eux quand même. GG à eux quand même, c'était très très bien. Bon, vivement le 3. Mais il sort quand sur Steam le 3? Ah là là. Ah là là. Rip ta nouvelle maison, bah oui. Release the Kraken, exactement. Salut Crane, ce jeu, c'est un jeu d'horreur énigme à l'amnésia ou juste jeu d'énigme à la The Witness? Jeu d'énigme, pure énigme, pas d'horreur ou truc comme ça. Sinon, je serais déjà en train de décéder sous mon bureau, bien évidemment. Du coup, je vais dormir, je suis HS, nous dit Siran. Bonne nuit à toi. Et voilà, quitté. Ah mon dieu. C'est la fin. C'est la fin du fin, les petites fins. Non, si le jeu, il veut bien quitter. Il veut pas. Il veut pas. Il a dit non. Il a dit qu'il voulait pas.